Et bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, c'est Mutsu, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur Arc The Center Ascended. Mesdames et messieurs, regardez un petit peu cette belle cape que j'ai, oh là là. Au départ elle était noire, j'ai pu la peindre en blanc, ce qui veut dire qu'on peut la peindre un peu dans toutes les couleurs qu'on veut. J'ai changé un peu aussi mon armure parce que ça y est, on évolue quand même, donc forcément il faut que mon skin, mon stuff évolue avec moi. Et qu'est-ce qu'il a? Il a faim. Ok, allez, mange un petit peu mon petit. Voilà, merci à toutes et à tous évidemment d'être là, présents pour visionner ces épisodes. Merci à toutes celles et ceux qui pensent à bombarder les pouces bleus, vous êtes les meilleurs. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bon du coup YouTube, vous le savez, hein, mon objectif c'est le Gigantoraptor. Alors, c'est pas dit qu'on puisse le faire dans cet épisode parce que bah, il faut qu'on en trouve un. Voilà, et pour l'instant on sait pas trop où sont les spawns et tout, donc il va falloir un petit peu tomber dessus au petit bonheur à la chance. On cherche des terries, on trouvera des Gigantoraptors je pense. Donc ça on verra. Par contre il y a un basilosaure 150 juste à côté qui a été spoté. Donc je pense qu'on va aller faire ça. Et aussi il nous faut un Doedicurus pour farmer de la pierre quand même. À un moment donné si on veut avancer, ça va être obligatoire. Voilà. Et puis après vous le savez hein, ça va évoluer au fur et à mesure qu'on va croiser des trucs dans la nature. Bref, merci, on y va, c'est parti. Alors petit timing d'introduction. Regardez, il y a un Ptera ici, là, 145. Je vais le bolas. Oh, écoute-moi, lui, je vais le bolas et on va le tamer. Parce que... Alors, j'aime pas m'approcher de cet endroit. Ça lag. Mais il me faudrait un Ptera, en fait, pour aller faire des beacons, vous savez. Pour aller faire les loots. Donc ça va être lui. Par contre, voilà, ça va laguer. Attention, ah, ça, c'est le pire endroit de la map. Évidemment, hein, c'est le seul endroit où il a choisi d'aller se poser. Oh, oh la vache, au secours. Ok, et je pense que c'est ce rocher là. Enfin, je sais pas ce qu'il y a ici. Peut-être une zone de chargement de map ou j'en sais rien, mais non. Mais c'est une blague. On va pas repartir dans une malédiction du Moshop. Non, quand même pas. C'est lui. Ok, on va voir ce qu'il va vouloir après. Eh hey, mais, YouTube, je repars pas dans une expédition Moshop, hein, promis. Promis, on a d'autres objectifs dans cet épisode, dont un Doedicurus pour farmer de la pierre. Et ils ont repéré un Basilo 150 pas loin, donc je pense que ça va être notre premier time aquatique aujourd'hui. Ok, bon lui il veut une Mejoberry, du coup ça va, c'est facile. Pour l'instant il démarre bien dans la vie le petit Moshop. Hein. Et je vais faire la repro de Moshop, moi je m'en fous, je fais le boss en Moshop, rien à foutre. Ah bah c'est bon, il est tamé. 27 PV, 27 mêlée, ouais bon c'est nul hein, c'est nul. Il faut absolument qu'on fasse des cryos. Non, parce que tous les Moshop et tout le bazar, là, il faut le mettre en cryo, ça va pas du tout. Ah, trop bien, vous avez trouvé une map pour... une map de la map. Oui. Trop cool. Ah ouais, j'aime bien ça. C'est là où on est là. Il manque la moitié, moi, en bas. Ah, c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait un biome Redwood aussi sur cette map, c'est ça? Bah ouais, parce que t'es pas allé en bas, moi, je t'ai dit. Et puis, il y a toute une partie souterraine aussi sur cette map, hein. Ça, c'est un truc... Ah, c'est un truc qu'il va falloir qu'on aille faire prochainement, ça va être extraordinaire aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, on veut faire un Basilo. Le Basilo, c'est quelle couleur de Kibble qu'il faut pour lui? Jaune. Kibble jaune? Ouais. Ok, donc tu as commencé à faire des focal chili, c'est ça? Ouais. Et Kibble jaune, est-ce que je peux track? Ouais, je track. Donc il faut que j'aille chercher les œufs Drex, les rares flowers, hop, il y en a un petit peu ici, de la fibre, donc ok, de l'eau, des méjots, et les chilis, c'est bon. Alors, les œufs Drex, ils sont... On va pas prendre les fécondés, évidemment. Ah bah alors... Ah! Ok, alors attends. Les rares flowers, il y en a encore un petit peu ici, je vais en prendre un peu plus. Les œufs Drex, ils sont encore sur le machin, je pense. Non, non, ils sont dans le deuxième frigo. Ah bon? Ouais. Alors, je sais pas vu. La fibre. On commence à avoir les stocks de fibres qui baissent, tiens. Non, ils y sont pas. Ah si, ils sont là. Et à chaque fois, je me fais brain par les œufs Drex, hein. Ah par contre, attends, là, je bouge plus. Le rouge, tu vas pas aimer. Mais ouais, parce que en fait, ils sont à côté de la viande, et du coup, je les vois pas. Certainement ça, bonjour. Ah oui, les gourdes. Il faut s'éloigner un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. On met la flotte, on met ça. Boum. Et là, normalement, kibble jaune. Allez, paf, on peut en faire 3 parce que c'est la flotte qui va manquer.
Ok, nickel. Voilà, on va les mettre au frigo parce que pour l'instant... Je vais les mettre là, il y a de la place dans celui-là. Ouais, ça va, il y a encore un peu de place. Pour l'instant, on va d'abord commencer par aller crafter les cryos pour pouvoir le mettre en cryo directement. Et vous savez quoi, je me dis qu'on va faire le cryo fridge aussi. Hein. Donc, oui. Je les ai débloqués. On va aller farmer le polymère directement sur place. On va aller au baie bleue. On va tuer des pingouins, donc il faut qu'on prenne le moshop qu'on a up un peu pour ça. Il nous faut du métal, du cristal, des électroniques, de la fibre, de la peau et de l'huile. Waouh. De l'huile, il y en a là-bas, c'est ça? Normalement, on devrait en avoir là-bas. De l'huile, on en a 314 ici. Je vais en prendre un peu quand même au cas où. Ok, oui. Faut qu'on charge un argi. Celui qui est devant, là. Dans les forges, ça. Ouais, vu. Ok. Allez, j'ai récupéré une faucille. Je vais faire un peu de fibre aussi. Je vais en profiter, tiens, je vais... Hein? Parce qu'il y a la mauvaise herbe qui pousse, là. Ça me plaît pas. Ça pousse dans le machin et tout. J'aime pas ça. Donc, hop, voilà. Oh non, il pleut. Vas-y. Ça va mouiller ma cape. Ok, on est prêt. Il y a une jolie cape, dis donc. Ouais, t'as vu. Parle de copines, ne le lâche pas. C'est parti. Attends. On va voir avec l'argent en passant. Attends. Il faut que tu refasses. Ouais, c'est bon ça. Ok, les gars, on arrive à l'iceberg. L'oil, elle est à quel endroit ici? Dessus, le gros, les cailloux. Ah bon? Les personnes d'affaires, mais... Ah, c'est ça, les cailloux de d'oil. Ok. Yahoo! Ouais, salut les pingouinos! Eh ben, y'a même du cristal. Moi, je fais la... Aïe, il me tabasse! Ah oui. Voilà, tiens, je vais t'apprendre. Par contre, ça ramasse pas des masses, hein. Ça aurait été mieux de prendre une masse en réalité, je pense. Il y en a une, j'en je crois, sur l'un des. Attends, j'en ai eu. 21 levels en polymère organique, quoi. Ah si, j'en ai une. J'en ai une, elle doit être dans l'argent. T'as vu. Un peu déçu. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. Alors, là, normalement, c'est de là, oui. Donc, ça, c'est les rochers d'oil, ça. Ouais. Ok les gars, il va falloir nettoyer la zone par contre avant. J'arrive. Oh, je peux tirer du... Aïe. Je peux tirer depuis le moshop. Traqué par l'Argentavis, c'est extraordinaire. Vas-y, go. Lâche-moi, j'y vais. C'est force spéciale, mais en moshop du coup. J'ai ramené un peu de polymère sur patte. C'est qui c'est... Y a... Ah oui, il y a un autre vous là-bas. C'est mort. Ok. Oh, c'est moi qui l'ai eu. Ah d'accord, vous tuez aussi les trucs pacifistes. Non mais ok, bon bah super. Bah allons-y alors. Oh, y'a un spino. Oh, quel level? Attends, je sais pas. 55. Oh, déçu. Mais il va mourir, j'ai besoin de son truc pour le moment. Tellement pas de dégâts de pistolet là, c'est une folie hein. Eh mais j'ai honte, on arrive, on tue tout. C'est pas nous ça les gars, hein. C'est pas la tribu du slip hein. Bah je m'entends sur eux, c'est nous. Là c'est plus la tribu des Shpek hein. On a fait nos Amériques. Ah non mais là j'ai honte. on a fait mieux. Voilà. Alors vous avez tout déposé, c'est bon? Structure électrique et un cryo-fridge. Bon, pour l'instant, on va en faire qu'un seul. Hein. On verra plus tard pour en potentiellement faire un deuxième. Et ah oui, il manque la peau pour faire des cryos. Hop. Ah, ça, j'en ai de l'eau. Ouais, la peau, il y a ce qu'il faut. C'est bon, t'inquiète. Tac. Ok. Allez, 47 cryos. Bon, bah, dans un quart d'heure. Hein. Ok, ouais. Les gars, c'est bon, c'est finito. Hop, j'ai tout récupéré. Par contre, quelqu'un peut me pousser jusqu'à un argi, s'il vous plaît? Je vois tout noir et tout vert en même temps. Oh, je vois l'argile, c'est bon. Vous voulez pas mettre plutôt dans le mien du coup? Vas-y, ouais, ça pèse pas grand chose. Un set, moi. Ok, c'est bon. Allez, on peut s'arracher et direction la base et le basilo, s'il est encore vivant.
Normalement, je pense. Attends, je vais mettre un peu plus loin parce qu'ici, à mon avis, tu vas avoir du mal à me soulever. Mais pourquoi tu veux... Eh, vous savez, ce qui est dommage, c'est que il va faire nuit. Eh oui. Ah ouais. Ouais, et t'as mis un basilot de nuit, bon. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut qu'on fonce parce que j'ai peur qu'il soit plus... Où sont les croquettes? Elles sont là, tac. Allez, parfait. Faut clean les... J'ai mon truc de plongée. Les mantas? Ouais. Bah, prends ton barrio, peut-être. Non, mais prends-le, de toute façon, il faut... Moi, je peux... Non, vas-y, William, je t'en prie, je te laisse faire, ça. Vas-y, prends le barrio. Il est à quel endroit? Il est vers le rayon bleu, non? Il est... Oula. Je pense qu'il est par là, mais peut-être avant même. Ouais. Dessous, il voulait pas que je vienne avec. Ah pardon, excuse-moi, je voilà, moi je suis en mode autoroute là, hein, c'est parti. Ah ouais, bah, attends, j'ai oublié de prendre une cryo. T'as fait un demi-tour de l'espace dans le Allez, truc. On va se manger des Il est où l'argile avec les cryos à l'intérieur? Il est là, ok. Attendez. Tac, tac, le hop, on va poser le cryo fridge aussi. Histoire de, on va le mettre là. T'as besoin d'une navette ou Quoi ? 1h25 avant de pouvoir sortir des cryos, c'est quoi ce délire ? C'était pas 5 minutes normalement ? 1 minute 25. Ah ! 1 heure. Combien ? Eh Pat ? Oui ? Il y a un rayon bleu là. Ouais, j'y vais si tu veux. Ouais, je allez, ok. On fait plouf plouf pour savoir qui y va. C'est moi qui est parti. Mais non, mais comment sur radeau cache, mais j'arrive. Pourquoi t'es tombé? Pourquoi t'es tombé? Y'a une baleine, y'a une baleine. Non, 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 non. C'est pas possible. Je vous ai dit qu'il y avait une baleine. Je crois qu'il y a une baleine. J'essaye de... J'ai pris la gros tue. Attends, je vais mettre le radeau en sécurité. Mon bébé. Ah! Y'a un requin! Ok. Vous êtes où? Vous êtes où? Help me! Ah, y'a un requin 4. Deux requins. Ça je dois me sauver. Ouais. Je dois m'en aller. Sortez vos bestioles. Vos trucs d'épaule là. Ouais, mais Ah oui. Et ouais. Ah ouais, non. Je plus vite quand même. Alors là. Il est où le requin? Et c'est où? C'est où? Qui c'est qui faisait le malin là? Oh, j'entends des bruits dans l'océan, mais c'est tout quoi. Eh hey, mais la baleine, je vous jure, elle s'est mise dans l'embouchure de chez nous, elle sait qu'on habite là, elle nous attend. Ah ouais. Elle a pas peur la baleine. Attention. Quoi attention, c'est un requin, c'est tout. Ouais. C'est trois requins en fait, mais... C'est ça le problème, c'est surtout trois. Voilà, bah, ils sont plus que deux. Attends, moi je vais chercher le quatre requins. Ah. Ah, bienvenue dans les fonds marins de Ark. Hein. Je suis en train de me noyer. J'avais pas vu. Remonte. Je suis en train de remonter. Encore que je peux manger sous l'eau. Ok. Il me reste 35 TV. Ah non, je me noie. Il vient sur moi, il a compris. Si j'avais pas pu manger un steak, j'étais mort. Non, il vient pas sur moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il était 145 là, Raymonta. Vous avez retrouvé du coup le basilo ou pas? Je cherche. Ok, ça marche. Par contre, moi je dois sortir de l'eau parce que là j'ai froid. J'ai giga froid. Ah bon, y a des remontas là. Oui. Oh là oui. Il y a remontas sur moi. Oh là oui. Oh, ça part en sucette. Vas-y, je retourne sur le bateau moi. Je te casse moi. Je vous laisse, hein. Salut. Je des remontas. Non, à la base on voulait aller chercher le beacon. Ouais, à la base. Et il y a un mec qui est tombé dans l'eau. Bah, je sais pas. Au secours. Aïe, aïe, vieux, comment ça s'appelle? Aïe, je vais mourir, il faut que je sorte mon truc. T'es où? C'est bon, je sors mon scam, tant pis. Je voulais pas le faire, mais j'ai craqué. J'étais allongé, je suis passé à travers le bateau. J'ai craqué, j'ai claqué 5 euros. Maintenant, pour plus mourir, tu dois mettre des... Oui. Tu fais un sans contact avec un petit appareil à côté de ton ordinateur, tu vois. J'entends un basilo, là. Bah oui, j'ai tué une partie des raies, mais je crois qu'il est level 85. Non, alors, c'est que c'est pas lui. Eh, je vois rien. Tu sais quoi? C'est compliqué sous l'eau pareil, hein. J'y vois pas grand chose. Ah, y a un 150 on enlève là-dessous. Le, ah, sous le brouillard. Oh, t'as trouvé 150, il est sous le radeau? Ah bah, pas grave. Ah, je cours. Et y a un. Monte. Monte sur le bateau. Ah,
j'arrive. Tu bugues ? Il est dommage. Mais je l'ai tué. Hein. Alors. Donc c'est le Basilo qu'il y a là. C'est ouais, pas ok. Le Basilo, il est là. Le Basilo qui est contre le rivage. Il est là le Basilo là, c'est celui-là. Ouais. T'as toutes les Rémantas sur toi, je crois. Non mais c'est quoi cette colonie de. C'était mon but, c'est de les nettoyer. C'est quoi cette colonie de dauphins? C'est une alu? Non, non, tu te noies pas, t'inquiète pas. Ok, je mets la tenue de plongée. Ah, j'ai là le Basilo, juste en bas, juste en dessous de nous. Ouais. Il y a une colonie de dauphins dessus, c'est impressionnant. Il est level combien? J'arrive pas. 150. Ah, bien, ouais, bah oui. Ah, ouais, je le vois même plus tellement il est. Ouais, mais alors attends, parce que. Après, je peux y aller. Et... Vas-y, c'est bon, j'ai enclenché le time. Ah, voilà, ça y est, je peux lui donner. Bouge pas. Je peux lui donner la deuxième kibble. Est-ce qu'on a. Non, on n'a pas encore de loot de bonne selle de Basilo, j'imagine. On a. En bleu. On est à 58%. Oh. Oh là là, je crois qu'il va falloir 4 kibbles et de peu. Dommage. Alors, mon petit. Est-ce que tu veux ma croquette? Et voilà. C'est bon. J'arrive. GG. Bien joué, les gars. Va falloir les, faire le bassin maintenant. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on avait prévu les cryos, du coup, en attendant de faire la zone. Mais alors, effectivement, par contre, la zone qu'il va falloir qu'on protège et où on mettra nos thèmes aquatiques, ce sera ici, je pense. Regarde au-dessous dans mon truc, mon inventaire. Ouais, t'es où? Ah oui, t'es là, ok. Ce sera ici, et on a un bel espace, hein. Donc, et à terme, on va pouvoir vraiment aménager plusieurs espaces aussi aquatiques. Donc, donc c'est bien. Et Basilo, c'est cool. Donc en stats, on a eu 50 en dégâts, 45 en PV, 43 en stam, 40 en poids. C'est quoi cette machine? Voilà. Bah les gars, écoutez... T'avais plus de commandes ou quoi? Non mais... Ton mécanique. Là, franchement, c'est hallucinant. Ok. On a une machine. Ah bah ouais. Le Xifacto Maximus, là, Maximus, ça se tame comment? C'est compliqué? J'en sais rien. C'est un thème classique. Ça s'endort. C'est un KO. Ok. Ouais. Allez, KO, hop là. Il est très nerveux. Ah. Ouais, ça, pour être nerveux, effectivement, il a l'air nerveux. Hop, on va faire ça, cryo. Et c'est nickel. Bon, on avance bien hein, sur les objectifs, là. Je suis content. Bon, maintenant on est parti chercher un Doedicurus, hein, du coup, et on est sur l'île centrale. Donc première fois hein, sur l'île centrale pour ma part. Et ma foi, écoutez, pour l'instant, je vois des Argentavis, je sais qu'il y a des Ceratos. Ok, il y a des champignons bleus, d'accord. Après, Ah non, c'est pas un Cerato que j'ai vu, c'est un Allosaur, je crois. Ouais. Doedi 145. Ah, ah bah voilà. Vas-y, on fait une pause. Oh, c'est beau ici. Il est où? Oula. Alors attends, j'ai vu un truc, attention. Ouais. Je suis bien, t'inquiète. Oh, tu l'as défoncé. Moi, du coup, tu. Oh, mais c'est trop triste. Du coup, il. Non, on laisse deux petits orphelins. Oh. Attention, c'est quand même pas safe ici. Hein. Ah ouais, à ce point? Ouais. Eh, c'est beau là. Hein. C'est super beau. Oh, oh, c'est beau. Oh bah. Ça aurait été moi, on s'installait là. Mais... Alors, l'île centrale, je me suis dit mauvais bail, hein, mais. Oui, non, mais je sais bien. Mais les gars, on déménage? Attends, on va voir si le plugin y marche. Ah oh ouais, le plugin il fonctionne, c'est incroyable. Vas-y, mets dans le. Ah, ça arrive. Où ça? Il est deux à ma gauche. Vas-y, on s'arrache. Ah non, ça. Je suis coincé. Un troisième. Vas-y. Je vois pas très bien, c'est dans l'eau. C'est bon, t'inquiète. Ça va pas être tout, hein, moi.
je tire des balles parce que j'en ai pris beaucoup et ça pèse lourd dans mon inventaire. T'as bien raison. Bien joué. Bonjour, bonjour. Ah. Ah oui, effectivement. Moi, petit bébé. Ah, ils sont trop mignons. William, j'ai pris gros. Alors, on prend le bébé. Oh bah ouais, hein. Ah oui, mais attends. Mais j'ai pris un truc qui voulait éviter de se rebouffer, là. On a que deux piafs, c'est ça? Oui. Oui. Pas, Ah. Ah oui. Ok. Au pire. Pire, on rentre à pied, nous, hein. Tu veux que j'en récupère un? Bah ouais. Arnaud, nous, on rentre en machin et on saute, oui, tu vois ce que je veux dire? Alors là, faut pas tomber du coup, parce que je sais pas comment on remonte d'en bas si on tombe en bas. Il y a un passage. D'en bas, il y a un passage. En fait, ouais. Cette map, t'as moyen d'aller de partout en créature. Elle a été pensée comme ça. Ouais, ok. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'elle ait pas apprécié sa juste valeur. Bon, bah, franchement, alors. Elle est vraiment bien pensée en fait, cette map. Puisqu'on en parle, The Center sur Evolve, c'est la map que j'aimais le moins. Bah là, je suis en train de me réconcilier avec, tu vois. Bon, et l'idée de zinzin pour retourner en face. On va faire un parachute, on va faire un saut avec Scam et ça va être extraordinaire. Je pèse mes mots. Extraordinaire. Attention. Allez, je grimpe. Ça me rappelle des très mauvais souvenirs, tout ça. Hein. Je tiens à le préciser. J'adore ça. Il doit y avoir un moyen de monter quand même par l'intérieur de la structure, mais bon. Allez, vas-y. Vas-y, Billy, tu peux le faire. Ok. Donc là, j'ai pris un peu de hauteur. Franchement, j'y crois à mort. Je vois pas ce qui peut mal tourner. Vraiment. Je vois pas du tout ce qui peut mal se passer. Ok. Ok, ça va le faire. Donc, CTRL-C et 2. C'est parti. Il y a eu un rollback. Tac, CTRL-C et 2. Oh là là! Incroyable! Incroyable! C'est trop beau! C'était pas mal. C'était pas trop l'effet escompté, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Ce qui est dommage, c'est que tu perds toute la puissance de ton saut. Et ouais, tu perds ton... Tu es giga loin, là. C'est ça, tu perds ton momentum, c'est dommage. Bah, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait faire ça, en fait. Ou qu'on le ferait, je pense. C'est qu'ils pensent pas beaucoup, hein. Attends, ouais. J'ai peut-être une idée. Si je fais ça... C'est là, après, ce que tu peux faire, c'est t'agripper sur le côté. Oh, la mauvaise idée. Ça, c'était une mauvaise idée. Oh, la mauvaise idée. Ouais, est-ce que t'aurais pu... Oh, la mauvaise idée. ...finir le côté pour, tu sais, pour... Oh là là. L'élan. Oh, c'est complètement buggé parce que... Oh! Oh, j'y étais! J'avais pas besoin de faire ça, j'y étais! Non! Oh là, je tombe, c'est sûr. Ah oui, là... Non, jamais de la vie. Ah bah, c'est compliqué moi, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Oh non, non, j'en ai marre, mais non, j'en ai marre, oh non. Il y a la baleine qui l'attend juste en bas. Baleine, non, par contre, je crois qu'il y a des... Attendez, c'est sérieux, ça? Il y a des Zefactinus. C'est quoi, ça? Oui, il y a des dinos marins échoués. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est du polymère, ça. Mais c'est juste qu'ils sont morts, c'est pas... Ah, c'est pas du polymère? Non. Mais ils viennent d'où, ça? Ça vient d'où, ça? Ah, ils spawnent en l'air et ils tombent morts. Ah! Un bug, quoi. J'étais pas sur le fou de te dire qu'elle est une baleine. Effectivement, maintenant que tu le dis, je suis tombé sur une baleine, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, le petit chemin hyper sneaky. Ah, si tu sais pas qu'il est derrière la cascade, oui, c'est... Ah, ça grimpe en plus, hein. Oh là là, derrière la cascade, incroyable. Ça se situe à cet endroit-là, au cas où. Incroyable. Il faut absolument, effectivement, hein, qu'on chope des tilas, ce serait extraordinaire, là, pour le coup. Ok, ça y est, je suis en haut. Bon, en fait, c'était plus rapide de faire comme ça, en réalité. Mais bon, à un moment donné, il faut pouvoir s'en aller avec style, tu vois. Et avec panache, surtout. La tentative était belle, hein. Ouais, il y avait de l'idée.
Il y avait de l'idée, hein. Bon, maintenant, il faut traverser le marais. Bon, YouTube, ça restera entre vous et moi, mais Vixie, elle avait un fusil vert, du coup, je l'avais piqué. Et je lui ai piqué sa loupe aussi. Du coup, tac, 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 elle est où la loupe? Elle est là. Paf. Ah, elle est nickel. J'ai la gâchette qui tremble, hein, je préviens. Vas-y, j'arrive, je suis là. On y va quand tu veux. Vas-y, eh ben je veux. Ah bah. Ok. Lance les cables. Vas-y. Yep. En tout cas, il est uni au niveau des couleurs, lui. Hein. Il a vraiment... Il est unifié. Je pense qu'on peut, on peut le dire. 6009 sur 7000... 7000 sur 7007. Ah ouais, bah j'arrête. Okay. Oh, ça va. Allez, on y est presque. Ouais, tu seras à nous, mon petit. Tu seras à nous. 7005. Alors, le bébé, il est où? Et c'est bon. Le bébé, effectivement, le bébé, il est où? Vous le mettez dedans, t'inquiète. Du coup il va non, 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 il est... De toute façon, quand il sera tamé, on... Mais parce que là, il y a un monde où il va se balader et il va partir loin, non? Mais je vais le suivre. Motsu, tu peux venir récupérer Kibble. Il est là. J'arrive. Il va pas aller trop loin. La... Trop fort, les gars. 5, je sais pas si 5 ça suffira, au pire... Bah, je peux encore en faire, il faut juste que je remette de l'eau. Ouais, ok. Au pire, on pourra toujours combler avec des méjoux, sinon. Doit être 150. Hop là, parfait ça. Non, 145. Ouais, 145, plus le bébé du coup, on est bien. Mâle femelle, donc on a un petit couple, c'est bien, c'est très très bien. 5 kibbles, oui. 12 minutes. C'est même parfait. Et voilà, mesdames et messieurs, ça y est, il est tamé, regardez, il est trop mignon. On dirait une fraise tagada. Bon, avec des petits picous. Ah, ça, c'est un détail. Donc, c'est bien. Franchement, Doed, trop trop bien. Parce que bah, farmer de la pierre, c'est un truc qu'on fait tout le temps sur ce jeu. Donc, avec ça, au moins, ce sera hyper pratique. D'ailleurs, on va aller le tester un petit peu. Je vais voir si on peut faire une petite session pierre. 1009 de poids. Toi, t'as combien? 1002. Attendez qu'on voit. Il va falloir que je m'occupe. Oh, toi, t'as 2400, mais t'es vraiment bien rempli. Je vais prendre celui qui était à 1009. Il va falloir que je fasse une session. Tri des dinos, maintenant qu'on a les cryos en plus. Ça devrait le faire. Hop, voilà, parfait. Que je trie un petit peu tous les dinos. Qu'on garde vraiment ceux qui nous intéressent. Que je fasse les exports pour les mettre dans le smart breeding. Qu'on connaisse les stats et qu'on commence un peu à garder vraiment que ceux qui ont des stats qui nous intéressent. Plus que ceux qui ont des stats un peu random. C'est du métal, ça, je crois. Hein. En vrai, on va le farmer pour la pierre. Parce qu'on n'a pas besoin de métal pour l'instant, les forges sont plus que remplies. Et du coup, est-ce qu'il est en auto-farm là? Non, il n'est pas en auto-farm. Alors attendez, je vais l'activer. Tac, farm. Hop. Vas-y, parfait ça. Oh, c'est tellement pratique. C'est une folie. Pour rappel, hein, mesdames et messieurs, c'est un plugin qu'on utilise. Plugin qui du coup ne sont disponibles que sur les serveurs, je pense. Par contre, si vous voulez faire ça sur votre partie solo, par exemple, vous pouvez aussi très bien le faire en utilisant... Il y a des mods hein, qui font ça, qui doivent s'appeler auto-farm, solo-farm ou un truc comme ça. Voilà. Et c'est vraiment très pratique, je trouve. Il n'y a pas des tonnes de pierres à récupérer ici, malheureusement. Ok, bon, je vais me balader. Bon, bah voilà, retour à la base. On a un peu de pierre encore ici dans le Doed et l'étagère ici qui est remplie full pierre. C'est pas mal, ça fait un petit peu de cailloux, on a le temps de voir venir. Mesdames et messieurs, vous m'avez demandé mes réglages vidéo, voilà, ils sont ici, paf, et paf. Ouais, rien d'extraordinaire, mais vous me l'aviez demandé. Je vous ai dit que j'essaierai d'y penser, voilà, c'est chose faite. Ok, YouTube, voilà, je pense qu'on est bon pour l'épisode d'aujourd'hui, ça y est, on a enfin... commencer les timings aquatiques avec un bon petit basilo des familles, ça fait plaisir. En plus, on a récupéré, ça y est, un dino qui peut farmer de la pierre, le Doedi. Enfin, ce qui va nous permettre de nous projeter par rapport à l'installation sur le spot de base final qui est, pour rappel, juste en face. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.